Victor Osimhen au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Victor Osimhen, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Victor Osimhen au PSG, est-ce une bonne idée? Alors, si on parle du côté du PSG, les gars. Le PSG, c'est un super coup parce que, vu les qualités de Victor Osimhen, c'est un joueur qui peut beaucoup apporter au PSG. C'est un joueur, sur le papier, peut vraiment faire de grandes choses au PSG. Mais le problème, c'est que le PSG est mal gouverné. C'est ça le problème. Le PSG est mal gouverné. Le PSG n'a pas une institution solide. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. Neymar, on ne parle pas mal à Neymar. Hein. Dès que tu parles mal à Neymar, il peut avoir le président. Dès que tu parles mal à Kylian Mbappé, il peut avoir le président. Donc, le coach n'a pas le droit de parler mal à un joueur. Alors que c'est le coach qui est le boss. Donc, étant donné que le coach n'a pas les clés du camion, Victor Osimhen, s'il vient au PSG, il va venir s'éteindre. Pour moi, il va venir s'éteindre, les gars. Pourquoi? Parce qu'un joueur vient au club pour faire gagner au club, mais aussi pour progresser. Certes, il va arriver au PSG, il va peut-être gagner la Ligue 1. Mais sur le plan personnel, est-ce que Victor Osimhen va progresser, les gars? Est-ce que Victor Osimhen va progresser? J'en doute très très fort. Parce que au PSG, à part peut-être Kylian Mbappé qui a progressé, je ne vois quasiment personne. Tous ces joueurs-là, dès qu'ils sont arrivés au PSG, je pense notamment à Achraf Hakimi. Hakimi à l'Inter de Milan, c'était un monstre. Il était incroyablement fort. Hakimi était incroyablement fort. Mais dès qu'il est arrivé au PSG, bizarrement, son niveau a chuté. Il a baissé. Donc, Victor Osimhen, moi, je ne conseille pas. Je ne conseille pas Victor Osimhen au PSG. Il peut peut-être aller à Chelsea. Comme il le disait bien, son idole, c'est Didier Drogba. S'il part à Chelsea, ça peut peut-être coller. S'il part aussi peut-être au Bayern, comme le Bayern recherche un avant-centre en urgence, ça peut également coller, mais pas le PSG, parce que le PSG. Avec la politique actuelle, moi je ne vois pas Victor Osimhen aller progresser au PSG. Après, le PSG peut changer sa politique, on ne sait jamais. Il peut changer Nasser, tant mieux. S'il change la politique, s'il change Nasser, là, on en reparle. Là, on en reparle. Mais actuellement, c'est vraiment, ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire par rapport à cela. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.